Bonjour. Je suis Sofiane Mhatli, instructeur de cette session du cours Introduction à la technologie de l'information. Et donc, on va traiter le chapitre Les systèmes d'information et le développement du système. Donc, je vais, le but de ce cours, c'est d'être capable pour comprendre c'est quoi les systèmes d'information. Et pourquoi ils sont nécessaires. Il faut être capable aussi de discuter qu'est-ce qu'utilisent les systèmes d'information dans une organisation typique. Il faut identifier les différents types de systèmes d'information qu'on retrouve couramment dans les organisations. Et bien sûr, on doit décrire les objectifs de chacun. Quatrièmement, on va expliquer les personnes responsables du développement du système. On va aussi identifier et décrire les différentes étapes du cycle de développement. Sixièmement, on va discuter plusieurs approches utilisées pour développer les systèmes d'information. Le plan, c'est le suivant. Donc, on va voir un aperçu général. Qu'est-ce qu'un système d'information? Les différents types de systèmes d'information, les responsabilités du développement du système, le cycle de vie du système et les approches de développement du système. Voilà. Donc, on va commencer par la définition d'un système d'information. Donc, un système d'information, c'est la coexistence de plusieurs intervenants à la fois. Peut-être des personnes qui sont les collaborateurs. Bien sûr, de l'entreprise, des ingénieurs, des techniciens, de direction, etc. On parle aussi de matériel. Donc, le matériel, c'est quoi? C'est les serveurs, les postes de travail, voilà, les imprimantes, le réseau, etc. On parle aussi de la partie logicielle. Donc, les logiciels qu'on va utiliser pour notre système d'information, des logiciels bureautiques, des logiciels spécifiques à notre travail, et aussi bien les données, c'est le data, les données véhiculées à travers les différents moyens de communication entre les différents intervenants, matériel, hardware, logiciel et personnes. Et bien sûr, on a les procédures, ce sont les checklists qu'on va et suivre pour bien sûr amener un bon les bonnes pratiques, c'est-à-dire d'un système d'information. Donc, pourquoi on a besoin de développer un système d'information? Donc, généralement, les entreprises utilisent plusieurs types ou une variété de systèmes d'information. Donc, ces systèmes sont créés et modifiés en réponse aux besoins de changement au sein d'une organisation ou et aux conditions changeantes de l'environnement. Donc, le développement du système ou du processus de système d'information, on a besoin d'analyser l'environnement de travail, on a besoin de concevoir un nouveau système, modifier le système existant pour répondre aux besoins actuels, faire l'acquisition du matériel et du logiciel nécessaire, la formation des utilisateurs, la mise en place d'un système ou d'un nouveau système et de le modifier. Donc, les entreprises actuellement utilisent des ordinateurs presque exclusivement pour effectuer des tâches de traitement de routine liées aux transactions commerciales. Voilà. Deux concepts généraux, il y a l'architecture de l'entreprise et l'intelligence d'affaires. Donc, je commence par l'architecture de l'entreprise, qui est un modèle conceptuel qui définit la structure et les opérations d'une entreprise. L'objectif de l'architecture de l'entreprise est de fournir une image détaillée de l'organisation, de ses fonctions et de ses systèmes. Avec la complexité des systèmes actuels
L'architecture d'entreprise permet aux responsables de mieux organiser et d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques. Des experts s'accordent à dire que le développement d'une architecture d'entreprise n'est pas facile et nécessite beaucoup de temps et d'efforts. La première étape consiste donc à examiner les systèmes et les fonctions existantes pour identifier les lacunes, les chevauchements et les autres problèmes possibles avec la configuration existante. Le développement de l'architecture d'entreprise est généralement considéré comme un processus à long terme. C'est un outil précieux. Voilà. On parle aussi des intelligences d'affaires ou business intelligence, le BI. Donc, le BI, c'est un monde qui va nous permettre de visualiser les données de l'entreprise sous forme des dashboards, des courbes, des statistiques qui sont importantes pour déterminer les KPI d'un tel process, pour déterminer les chiffres d'affaires, pour déterminer ou vérifier s'il y a des lacunes, s'il y a des pertes au niveau de l'entreprise. Elle est très importante et qu'on peut l'appliquer dans tous les acteurs informatiques. Voilà. Donc, les utilisateurs du système d'information sont les suivants. Donc, on utilise, on a ça dépend de l'hiérarchie. Donc, on a les cadres, donc cadres supérieurs, qui sont généralement les décideurs ou qui vont prendre les décisions à l'intérieur de l'entreprise. Il y a aussi les cadres intermédiaires qui vont prendre des décisions tactiques. Il y a aussi les responsables opérationnels qui vont prendre des décisions opérationnelles. Il y a des travailleurs non cadres qui vont prendre des décisions liées au travail. Et donc, là, on a aussi des utilisateurs externes, des clients, des consultants, des fournisseurs, etc. Donc, les différents systèmes d'information, on a différents types de systèmes d'information. Donc, il y a le système bureautique et de productivité des utilisateurs. Donc, ici, il va faciliter la communication et améliorer la productivité dans les tâches de bureau. Il y a le système de traitement des transactions. Il va traiter et enregistrer les transactions commerciales. Il y a le système d'aide à la décision. Il fournit des informations nécessaires aux décideurs. Il y a le système d'entreprise intégrée. Il intègre des activités dans toute une entreprise. Il y a le système de conception et de fabrication, aide à la conception et à la fabrication des produits. Et le système d'intelligence artificielle qui va effectuer des actions basées sur les caractéristiques de l'intelligence humaine. Donc, le système d'assistance à la productivité, on part avec le premier. Système. Donc, c'est un système de traitement de documents. Donc, on va traiter des rapports, des lettres, des manuels, des factures. L'un des principaux objectifs du système de bureau concerne la création, la distribution et le stockage électronique des documents, parfois appelé traitement de documents. La plupart des documents commerciaux sont aujourd'hui stockés numériquement. Le système de traitement de documents comprend le matériel logiciels nécessaires pour créer des documents électroniques ainsi que pour convertir des documents imprimés sous forme électronique. Okay. Le système de gestion des documents et gestion du contenu, on appelle ça CMS. Il y a le système de communication, différents systèmes de communication mis en place dans de nombreuses organisations, comprennent des courriers électroniques, la messagerie, la vidéoconférence, l'informatique collaborative et le télétravail. Ces systèmes permettent aux employés de communiquer entre eux ainsi qu'avec des partenaires, c'est-à-dire les moyens de communication. Donc, on va définir les canaux de communication possibles. Il y a les systèmes de traitement des transactions. Donc, il y a les systèmes de saisie de commandes. Donc, on va saisir les commandes. Il y a le système de paie, qui va calculer les impôts, les retenues, les salaires des employés. Il utilise ces informations pour émettre les chèques de paie, prépare les
rapport de paix pour la gestion et à des fins fiscales, le gouvernement fédéral, étatique et local. Il y a le système comptable aussi qui font la référence à la variété de systèmes en place pour enregistrer les détails de transactions financières d'une entreprise à des fins comptables. Et il alimente un système de grand livre journal qui assure le suivi de toutes les transactions financières et produit des états des résultats, des bilans et d'autres documents, bien sûr, comptables. On a des systèmes d'aide à la décision. Il y a, parmi les systèmes d'aide à la décision, on définit le système d'information géographique pour des gestions, système de le SIG. Et donc, sont des rapports détaillés, des rapports d'exception, des statistiques, des rapports sommaires, des systèmes d'aide à la décision. C'est-à-dire visualiser des informations qui vont m'aider, c'est-à-dire mieux visualiser les data qui sont en bulletin. Système d'information géographique. Système d'information géographique, c'est un système qui va numériser les informations sur un map bien déterminé, sur une cartographie. Très important, on utilise plusieurs applications du système d'information géographique. Exemple, vous avez un opérateur de télécommunication, il cherche à numériser ses sites de télécommunication et on va le mettre sur un map géographique. On peut l'utiliser dans le domaine forestier, dans l'agriculture, dans la génie civile, etc. Donc, il y a plein d'applications sur le système SIC. Il y a aussi les systèmes d'entreprise intégrés. Et donc, il va faire l'échange des données informatisées. Il va faire référence au transfert de données par voie électronique entre les entreprises en utilisant les réseaux tels qu'Internet. Il peut accélérer considérablement les processus commerciaux. Les ordinateurs situés dans une entreprise sont reliés aux ordinateurs des principaux clients ou fournisseurs. Les données et les informations commerciales puissent être échangées électroniquement selon leurs besoins. Il y a aussi la planification des ressources entreprises à travers ce qu'on appelle ERP. C'est un type spécial de grand système intégré qui relie toutes les activités de nos entreprises. Au lieu que chaque département ait son propre système séparé, donc ERP, il combine tout en une seule application intégrée. Donc, les données sont généralement sauvegardées dans une base de données centrale. Les applications ERP fournissent un moyen d'accès standard à tous les employés qui ont besoin d'accéder à ces données. Donc, les applications ERP sont basées sur le web, de sorte que les utilisateurs autorisés à l'intérieur, qui sont autorisés à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, peuvent accéder facilement aux données générées par le ERP. Donc, des informations provenant d'un ERP ou d'un autre type de système interne sont échangées entre différentes applications. On parle de l'intégration d'applications d'entreprise. On parle aussi de la système de gestion du stock et des produits, si on utilise ces systèmes pour faire des inventaires, etc. Il y a le système de conception et de fabrication, on appelle ça le CAO, c'est la conception assistée par ordinateur. Donc, je peux, puisque avec ordinateur, je peux faire plusieurs composants ou je peux concevoir ce que je veux, hein, donc avec des logiciels 2D, 3D bien déterminés. Je peux utiliser la fabrication assistée par ordinateur, qu'on appelle le FAO, et donc il est utilisé pour aider à générer les opérations de fabrication, contrôler les machines qui utilisent ces processus, construire des voitures, surveiller les centrales électriques, fabriquer des aliments. Donc l'avantage, c'est la cohérence, la sécurité humaine, la réduction surtout du temps de fabrication. Et donc, aujourd'hui, le CAO et le FAO sont couramment utilisés conjointement pour accélérer à la fois la conception et la fabrication des produits. On a aussi les systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire généralement, là, pour un. Pour un jeu d'échecs, donc ici, il y a un utilisateur qui peut travailler ou jouer contre un ordinateur. Là aussi,
Quelques jeux comme le Watson contre Pirelli sont des champions. Donc, ici, c'est physique. Donc, il y aura des agents intelligents, des applications, disons. Peut-être tu vas parler à Sandy, donc, pour en faire un chatbot. Voilà, un chatbot, c'est-à-dire Sandy ici, vous allez programmer des questions et elle va te répondre au préalable. Il y a les systèmes experts. Donc, dans les systèmes experts, donc, on a des bases de données à interroger. Voilà, donc, Jean, c'est un client qui a un compte, un tel compte, à la limite de crédit, il n'est pas dépensé combien par mois, etc. Il y a les réseaux de neurones aussi. Il y a les robots militaires qu'on utilise toujours dans des opérations pour éviter les pertes humaines. Il y a le robot commercial et individuel dans les industries. Il y a les robots personnels. Voilà. Donc, la responsabilité du développement du système. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la direction système d'information? On peut programmer des applications. Donc, ce sont des logiciels d'application de code. On peut aussi faire de l'analyse des affaires. On peut diriger des informations. On peut être des architectes cloud, c'est-à-dire des gens qui vont préparer des architectures sur cloud. Vous pouvez être des ingénieurs info-nuagiques, ce sont des ingénieurs dans des systèmes virtualisés au cloud, chef de produit cloud, donc développeur de services cloud, donc faire du développement des services bien déterminé, analyste de communication, il va analyser et faire les entretiens et le dépannage des réseaux de communication et de la connectivité. On a des logiciels, des ingénieurs logiciels qui vont concevoir et construire des applications logicielles complexes, également connues sous le nom ingénieurs logiciels applicatifs. Il y a les spécialistes de sécurité qui vont veiller sur le matériel logiciel et les données de l'organisation qui doivent être protégées contre les pirates. Il y a les techniciens réseau qui vont installer, entretenir et mettre à niveau le matériel et le logiciel de réseautage. Il y a aussi l'analyse des systèmes de réseau de communication, les opérateurs réseau, les ingénieurs réseau, l'administrateur réseau et développeurs multimédia. Tout ça, ce sont des intervenants dans le système d'information. Mais il y a d'autres, hein. Il y a les ingénieurs d'opérations informatiques, les administrateurs de bases de données, les ingénieurs gestionnaires, le webmaster, les développeurs web, etc. Donc, dans la partie, c'est le but est d'externaliser, c'est-à-dire mettre en place un site web de l'entreprise. Donc, le cycle de vie qu'on va les suivre pour le développement du système d'information. Donc, ici, on a un rapport, une quête préliminaire. Lorsqu'on va préparer un rapport de faisabilité sur le projet, on va faire une analyse du système. Donc, on va préparer des diagrammes, des tableaux, des arbres, des modèles, décrivant le système actuel. On va concevoir le système, spécification de nouveaux systèmes et analyse. Analyse de coûts et avantages, puis acquisition. Oui, acquisition du système, donc on va avoir des appels d'offres, documents d'évaluation et la mise en œuvre du système avec, bien sûr, la mise en œuvre du système avec des calendriers bien définis, des données, des tests et des supports de formation jusqu'à la clôture du projet. Donc, dans l'enquête préliminaire, on va définir les fonctions de l'analyse du système. Donc, il va faire l'enquête préliminaire. Au cours de cette phase, l'analyste du système étudie brièvement le problème et propose des solutions à la direction.
Il y a aussi l'analyste du système qui va faire, si la direction décide qu'une analyse est approfondie et justifiée, l'analyse du système étudie en profondeur le système actuel et les besoins de l'utilisateur. On peut concevoir aussi des systèmes, acquérir des systèmes, mise en œuvre. Donc, une fois le composant du système acquis, l'analyse système supervise le processus de passage du nouveau système, la conversion de données, la formation des utilisateurs, etc. Et après, on va maintenir le système. Donc, l'analyste va évaluer le système sur une base de continuité pour déterminer les corrections et les modifications qu'on peut les envisager. Donc, pour le collecte des informations, l'objectif ici est de collecter des données et de recueillir des données utiles pour le système, sur le système à étudier. Donc, certains outils de collecte de données pouvant être utilisés comprennent l'examen des documents, la collecte des copies des écrans, l'examen des organigrammes, etc. Donc, il y a l'analyse de données. Donc, on va est-ce qu'il s'agit d'un nouveau client, nouvelle information, client complète, le solde de 30 jours, on a la quantité de dépôt. Voilà, c'est tout un scénario à remplir. Donc, l'analyse de données ici, donc, il va. L'idée ici, c'est d'avoir analysé les différentes données. Donc, on a des clients, on a des produits, des entrepôts. Et donc, ici, c'est la relation entre client, produit, entrepôt. Donc, le client, il va avoir des commandes. Donc, on va vérifier si le commande est valide, oui ou non. Si la commande est valide, on va assembler la commande avec les produits commandés et toujours faire côté dépôt, ce qu'on appelle l'inventaire. Donc, on peut vérifier aussi l'état de crédit du client, son adresse, copie des expéditions, copie des factures qui va être reçue par le client. Et bien sûr, le client il va faire en contrepartie, il doit traiter, payer, bien sûr, la facture déjà fournie. Donc, ici, le client. Donc, il y a un diagramme de cas d'utilisation. Donc, le client, il va passer la commande, mettre à jour ses informations, effectuer les paiements. Donc, il a des attributs comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le mot de passe, les limites de crédit, les équilibres, les méthodes. Donc, on peut changer le téléphone, changer l'adresse, voilà, et effectuer le paiement, passer la commande. Donc ici, une fois, on va concevoir le système d'information. Donc on passe à la conception. Donc on peut analyser le coût. La plupart des organisations effectuent une analyse de coût-avantage pour aider à déterminer si les avantages attendus de la mise en œuvre d'un nouveau système valent son coût prévu. Le coût d'un nouveau système comprend l'investissement initial dans le matériel, les logiciels et la formation, les dépenses courantes, la maintenance. Donc, certains avantages peuvent être calculés relativement facilement en calculant la quantité de travail. Ces gains sont appelés avantages tangibles. D'autres avantages tels que l'amélioration du service, il y a des avantages non tangibles, sont beaucoup plus difficiles à exprimer en dollars, etc. Donc, acquisition du système, donc c'est au niveau décisif. Donc, qu'est-ce qu'on va acheter ou non? Donc, le logiciel à installer, le logiciel sur le cloud en mode SaaS, le logiciel personnalisé. Donc, certaines organisations peuvent adresser directement à un partenaire stratégique pour acheter les éléments nécessaires. Donc, ce document contient une liste de spécifications techniques pour l'équipement, le logiciel, les services nécessaires pour son nouveau système. Une fois que les fournisseurs ont fourni leur offre, on y pense à une demande de proposition, une demande de prix.
Donc, on va faire de la prospection, on va faire l'ouverture du pli, etc. Vérifier, faire le déploiement côté technique et financière et choisir le produit qui cohabite ou correspond bien à notre besoin en termes techniques et financiers, bien sûr. Donc, mise en place du système. Donc, on a un ancien système, des nouveaux systèmes donc, à acheter, hardware et logiciel. Donc, on va les mettre en place, module 1, module 2, module 3. Voilà. Donc, on va faire le genre de migration en module 1, ancien système, nouveau système, ancien système, nouveau système pour module 2, et ainsi de suite pour module 3. Et à la fin, on va faire des entretiens ou la maintenance du système. Donc, qui est considéré comme un processus continu et commence lorsque le système est totalement mis en œuvre et se poursuit jusqu'à la fin de vie du cycle. L'une des premières activités qui ont souvent lieu après la mise en œuvre du système est un examen post-mise en œuvre. Donc, l'évaluation du nouveau système, si ça marche bien. C'est le test d'acceptance technique, on appelle ça généralement. Donc, pour l'activité courante de maintenance, on peut modifier le logiciel existant, l'ajout de l'existant, de logiciels et de matériel supplémentaire. Et la maintenance peut être coûteuse pour une organisation. Donc, les approches de développement, il y a des approches traditionnelles, donc cascade. Donc, ici, on a une enquête préliminaire, l'analyse du système, la conception du système, l'acquisition du système, la mise en place et l'entretien. Il y a d'autres méthodes itératives, c'est-à-dire enquêter l'analyse du système, concevoir, implémenter le test, recueillir des évaluations et commentaires, et je vais améliorer sur la conception jusqu'à accueillir le matériel et le logiciel et mettre en œuvre le produit final qui est valable pour les entretiens. L'approche de développement de l'utilisateur final. Donc, l'utilisateur est principalement responsable du développement du système. C'est un professionnel de l'informatique qualifié qui prend en charge le processus de développement. Donc, généralement, le développement par l'utilisateur final est plus réalisable lorsque le système est en cours de développement. L'utilisateur peut suivre une approche de prototypage. Voilà, un POC. Proof of concept. Lorsque le développement de l'utilisateur final est utilisé dans une organisation, il est important que les mesures soient prises pour assurer que le système est compatible avec les systèmes existants. Voilà, merci. On a déjà terminé cette partie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonjour. Donc, on va voir la suite du cours à propos d'un chapitre sur le développement ou les programmes de développement et les langages de programmation. Donc, le but de ce cours, c'est d'avoir une idée sur la programmation, ce qu'on appelle la programmation structurée, la programmation orientée par objet. Voilà, et les différents logiciels qu'on peut les utiliser dans les programmes de développement. Donc, après, on va identifier et décrire les activités impliquées dans le cycle de vie du développement d'un programme. On va comprendre la bonne conception d'un programme et, bien sûr, énumérer les outils qui peuvent être utilisés par les professionnels de la conception des programmes. Après, on va expliquer les structures de contrôle et comment peuvent être utilisées pour contrôler le déroulement du programme. On peut discuter aussi certaines activités liées au débogage d'un programme et la garantie qu'il est conçu et écrit correctement. Sixièmement, on va énumérer quelques outils qui peuvent être utilisés pour faire l'accélération du programme informatique et on peut décrire finalement quelques ou plusieurs langages de programmation utilisés aujourd'hui et leurs principaux caractéristiques. Donc, on parle de la programmation procédurale. Et donc, ici, on va définir le programme
Donc, les modules, ils sont organisés hiérarchiquement de manière descendante, comme illustré dans, par une application, par exemple, d'OTP. On a des entrées, on a un salaire brut, il y a quelques déductions, le salaire net et la sortie. Donc, ici, il y a des entrées-sorties, finalement, un salaire brut, des déductions, exemple de déductions comme étant le calcul des impôts, fédéral ou pour l'État, les cotisations de retraite, les caisses les caisses ce qu'on appelle nationales, si on a par là, et on va déterminer le salaire net. Net, c'est qu'on va faire sortir. Et bien sûr, le net ici, il va être émis soit par un virement bancaire, un chèque, et bien sûr, on va imprimer le rapport de paie. Donc, on parle ici d'avoir la programmation orientée objet. Et donc, vous avez un bouton comme étant un nom de classe avec des attributs et des méthodes. Donc, par exemple, ici, un nom de classe qui s'appelle bouton. Quels sont les attributs de ce bouton? La couleur, la taille, les coordonnées, les textes, les méthodes, par exemple, ici, les dimensions, l'affichage, etc. On parle aussi de la programmation orientée aspect. Et donc, ici, c'est une approche de développement logiciel, peut-être encapsulée, ces politiques en fonction, des aspects de segments de code qui peuvent être utilisés selon, les besoins. Donc, selon IBM, AOP a apporté des avantages significatifs en termes de qualité de code et de rapidité dans lesquels les programmeurs peuvent écrire des programmes. Voilà. On parle aussi des développements du logiciel adaptatif et agile. Agile, c'est les méthodes de développement ou de conception des programmes. Donc, ici, le but, c'est de rendre le programme informatique ou de développement plus rapide et efficace, concentré sur l'adaptation du programme au fur et à mesure de son écriture. On appelle ça développement logiciel adaptatif. Il comprend des itérations ou des développements incrémentaux. L'une des approches du développement logiciel adaptatif, c'est ce qu'on appelle le logiciel ou le développement logiciel agile. Et donc, on va créer rapidement des logiciels, on va concentrer sur la livraison des petites applications fonctionnelles, on va mettre accent sur des équipes de personnes travaillant en étroite collaboration. Elle permet un apprentissage et une adaptation continue, etc. Donc, le cycle de vie, c'est le suivant. Donc, on va analyser le problème. Donc, analyse du problème. Puis, on va faire la spécification du programme. C'est comme étant un cahier de charge. Puis, la consommation ou la conception du programme, la spécification du programme, faire du codage du programme, c'est-à-dire déterminer un code source qu'on va les utiliser ou les tester après par le débogage et test du programme. Et à la fin, on va mise en œuvre du programme et du produit, bien sûr, et la maintenance. Donc, la conception du programme, on a déjà parlé. Donc, on va préparer des organigrammes, etc. On va préparer des blocs, des entrées, des sorties, des itérations, etc. Voilà. Donc, on appelle ça le chart. Par exemple, ici, j'ai dit, voilà, je vais commencer ici. Existe-t-il l'enregistrement? Oui ou non? Si oui, sinon, donc, c'est un compteur d'impression et on va faire un arrêt. Si oui, je vais faire l'expérience testée. C'est un test ici sur l'expérience informatique. Si oui ou non. Sinon, donc, je vais faire un autre, lire un autre enregistrement. Si oui, je vais voir l'ancienneté, par exemple, de l'entreprise. Dans l'entreprise, s'il est inférieur ou supérieur à 5 ans. S'il est inférieur ou supérieur à 5 ans, donc je vais lire un autre enregistrement. Sinon, imprimer le nom de l'employé et ajouter un compteur plus 1.
Donc après, je vais faire outil de conception. Donc je vais préparer des maquettes. C'est un petit épage qu'on doit le préparer pour, bien sûr, le but de démonstration. Après, je peux écrire un pseudocode comme ça. Donc avec un début, avec des paramètres qui sont des constantes ou des variables qu'on peut l'affecter des valeurs au débit, peut-être des valeurs 0 ou autre. Après, je peux faire des boucles for, des boucles while, ou ce qu'on appelle des structures conditionnelles. C'est-à-dire, si j'ai telle condition, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on appelle ça les structures conditionnelles. Et dans les structures de conditionnels, on a en fait plusieurs conditions. Il y a le boucle for, le while, le if, etc. Et à la fin, stop. Et après, on peut faire des. Pour la conception de programme, on peut concevoir. Il y a plusieurs modèles de langage de modélisation. Il y a ce qu'on appelle le UML, et dans lequel je peux. Voilà. Peut concevoir par exemple ici un nom de classe qui s'appelle vélo. Ce vélo-là, il a un type de bike, c'est mâle, bike, la catégorie, c'est pour les rues, la taille 26, la couleur, voilà, la vitesse, etc. Donc tout ça, je dois le mettre dans la conception. Donc je peux mettre un vélo 2. Voilà. Après, je vais utiliser les structures de contrôle. Pardon. Donc, j'ai des entrées et des sorties. Et donc, ici, j'ai des boucles peut-être imbriquées. J'ai des structures conditionnelles, des conditions 1, conditions 2, conditions 3 jusqu'à condition 1. Après, ces structures conditionnelles peut-être avoir plusieurs formats, ça dépend. Donc, je peux sélectionner. Donc, j'ai une entrée. Si la condition de l'entrée elle est valide ou conforme, oui. Donc, je dis déclaration vraie et sortie. Sinon, c'est une déclaration fausse et sortie. Je peux avoir d'autres. Donc, ici, avec si, sinon. Donc, il y a j'ai si. Si oui, sinon. Voilà. Else, on appelle ça else. Dans d'autres cas, c'est-à-dire j'ai des études de cas, donc je donne des cas, j'ai use case K1, K2, K3, et donc sur chaque cas, je vais faire une déclaration ou un job à faire, et après, je vais balayer tous les cas possibles et je vais la sortir. Je peux faire de la répétition, voilà, c'est-à-dire je vais avoir une entrée, et si je respecte une. Tant que je ne respecte pas une condition bien déterminée, hein, donc je déclaration vraie, je vais faire un boucle. Vous voyez, c'est du traitement itératif. Hein. Sinon, donc je vais sortir. Sinon, l'inverse d'ici, c'est-à-dire je vais faire des boucles imbriquées jusqu'à. C'est-à-dire jusqu'à la sortie du boucle. Donc, on va faire, si on a besoin d'une bonne conception du programme informatique, on a des directives par le super sample, par exemple, et des stress instructions par l'ordinateur. Et donc, par exemple, ici, donc, tu vas préparer un toast de margarine. Comment? Et donc, ici, c'est la personne, c'est le souhait de l'utilisateur, c'est-à-dire finalement, il cherche à préparer un toast de margarine. Mais là, je peux pour la machine, il faut donner ce qu'on appelle toutes les instructions, sortir une tranche de pain de sac, placer la main dans la vente des grilles. Pousser le levier, placer le toast sur une assiette, etc. Après, on va tester la conception du programme. Donc, comment on va tester? Donc, il y a plusieurs moyens pour le test. Il y a des initialisations, c'est-à-dire j'ai des compteurs, je vais le mettre à zéro. Première épreuve de décision, peut-être
Je vais faire un premier boucle, je vais tester la sortie, deuxième boucle, un autre test, etc. Je vais voir bien sûr la somme. Et bien sûr, là, c'est pourquoi le test est très important pour éviter les cas ou les cas extrêmes ou par exemple pour vérifier le bon fonctionnement, bien sûr, de votre algorithme qui est déjà développé. Voilà. Donc ici, je vais mettre des valeurs bien déterminées et je vais balayer. Peut-être c'est un test manuel hein, ou automatique. Voilà, c'est de la check. Donc, pour le codage, donc maintenant, si je passe au codage, il existe un certain nombre de langages de programmation qui diffèrent selon le type de codage. Donc, il y a plein de langages de programmation et donc, c'est au développeur de choisir le bon programme. Hein. Donc, il y a plusieurs facteurs. Pour le choix du langage de programmation, il y a l'adéquation, l'intégration, on appelle ça pour intégrer, les normes, la disponibilité du programmeur pour tel langage, la portabilité du programme, la vitesse de développement, tout ça, il va affecter le choix de votre programme informatique. Et donc, pour coder un programme, le programmeur le créer dans un langage de programmation sélectionné. Le programme se fait en lançant l'application de langage de programmation souhaité en sélectionnant les options à l'écran. En tapant le code, bien sûr, on va développer le code en utilisant le syntaxe approprié pour le langage. Donc, il y a beaucoup de syntaxe à apprendre. Une fois le programme est créé, il est enregistré en forme d'un fichier. Donc, c'est très important parce que je dois sauvegarder quelque part ce fichier pour l'exploiter, peut-être sur une autre machine ou un autre environnement. Et bien sûr, je peux gérer les versions du programme, c'est-à-dire on appelle ça les call source. Donc, ici, c'est un exemple de programme qui est créé par exemple par Deborah Morley. Donc, voilà, des inputs. Les entrées, voilà. Donc, le débogage et le test du programme, c'est quoi le débogage? C'est traduction du programme en code exécutable. Donc, on a un code source. Donc, j'ai une étape qu'on appelle de compilation et une étape d'exécution. Donc, l'étape de compilation. Donc, ici, on a besoin d'un compilateur qui va coder l'objet et l'éditeur de lien. Et là, il y a un module de chargement. Donc, ici, le programme exécutable peut être conservé pour utilisation future. Et le programme en cours d'exécution du processus jusqu'à, bien sûr, la sûreté. Les programmes. Exemple ici, vous avez un environnement de développement Visual Studio Express dans lequel je peux développer, je peux faire du débogage, je peux tester, etc. pour voir les différentes erreurs. Et je fais un débogage préliminaire, puis je vais analyser. Donc voilà, donc on doit ajouter des sommes, je dois ajouter, tester. Voilà, les différentes sommes, j'ai des boucles, etc. Donc, il y a des outils pour la gestion du cycle de vie des applications. Donc, ici, il y a plusieurs outils qu'on peut les utiliser. Il y a des générateurs d'applications, on appelle ça les macros. C'est une séquence d'actions enregistrées. Il y a aussi ce qu'on peut peut-être rajouter chaque fois que nécessaire dans le programme d'application, généralement ou souvent utilisé pour automatiser les tâches, répétitives ou difficiles. Les programmeurs peuvent créer des macros prédéfinis à inclure dans un programme fini.
De nombreux programmes permettent également à l'utilisateur final de créer des macros. Les programmeurs écrivent les macros à l'aide d'un langage de programmation des macros. Certains programmes disposent d'enregistreurs de macros afin que l'utilisateur final puisse les enregistrer des macros au lieu d'avoir à les coder. Donc, il y a les générateurs de rapports, les constructeurs d'interface d'utilisateur. Donc, ici, on appelle ça des IDE. Ici, l'IDE, c'est l'environnement de développement. Et là, c'est l'environnement autonome développé. Il y a ce qu'on appelle l'environnement de dev intégré, on appelle ça IDE. Et pour les applications mobiles, il y a aussi ce qu'on appelle les SDK. Donc, c'était l'environnement de dev qu'on doit l'installer sur la machine, que ce soit une machine Windows ou une machine Linux. Donc, passe maintenant au langage de programmation. Donc, pour les langages de programmation, en fait, c'est un ensemble de règles, de mots, de symboles ou de codes utilisés pour écrire des programmes informatiques. Donc, pour écrire un programme informatique, vous avez besoin d'un logiciel approprié pour le langage de programmation que vous utiliserez. Ce logiciel vous permet de coder le programme et de convertir le code source finie en code d'objet. Il peut être également inclus une variété d'outils qui facilitent le développement, facilitent le débogage, l'édition, etc. La maintenance et la gestion des programmes. Les langages associés utilisés pour le développement de pages web, les langages de balisage, les langages de script, etc. Donc ici, le RAS est le langage de bas niveau. Bon, les langages de bas niveau, c'est-à-dire généralement, on utilise souvent ce qu'on appelle les binaires et on appelle ça le langage assembleur. Donc là, je peux faire une somme, une opération de multiplication, d'addition, de soustraction, facilement à travers le système. Mais bien sûr, c'est le langage machine. Hein, il y a des langages haut niveau, voilà, c'est un niveau d'abstraction plus haut. Donc, il y aura catégorie de langage de programmation, c'est-à-dire je peux mettre des actions comme ça pour des ajouts, etc. Ça sera sur des outils de test ou de développement qui sont graphiques, disons. Il y a les logiciels quatrième langage, en quatrième génération, parfois appelés des langages de très haut niveau, plus éloigné de la langage machine que le troisième machine que la troisième génération, et ils sont beaucoup plus faciles à utiliser. Une propriété qui facilite l'utilisation de ces types sont la déclarative plutôt que procédurale, comme les langages de programmation de troisième génération. Une grande partie de codage dans un langage de programmation déclaratif aussi, ça indique un clic du souris pour sélectionner des instructions et envoyer des commandes au programme. Voilà. Mais il y a quelques inconvénients quand même. Donc, les langages de programmation courants, donc Fortran, c'est très ancien. On utilise plus de Fortran. Il y a le COBOL aussi, utilisé beaucoup dans le domaine bancaire. Il y a le Pascal. Voilà. Donc, on utilise des inputs, des variables, des boucles, voilà, des affichages. Il y a le visuel basique aussi. On peut l'utiliser, le VB. Voilà, ce sont toujours les mêmes. Il y a des commentaires. Les commentaires, à quoi sert ici? Pour documenter. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est moi qui va utiliser le code. Demain, une autre personne qui va lire le code et peut l'exploiter. Donc, je dois documenter pour que je facilite la tâche de lecture de ce fichier au propos des autres utilisateurs. Il y a le C, le C++, le C Sharp, ils sont tous utilisés. Bon, chacun, il a son syntaxe. Et donc, il faut bien comprendre le syntaxe de chacun pour qu'on puisse les utiliser.
Voilà, il y a toujours, par exemple, ici, il y a deux anti-slash. Il y a le do, c'est l'action qu'on va le faire. Voilà, l'affichage. Il y a le Java aussi. Donc, on doit importer une classe Java, des boucles. Il y a le Dart aussi. Il y a le Ruby, le Python, le Python. Il est utilisé beaucoup couramment dans toutes les langages informatiques. Voilà cette partie. On a juste à suivre la partie théorique. Je passe maintenant à la partie pratique. Donc, on va prendre deux minutes pour commencer la partie pratique. Donc, puisque vous êtes dans le domaine de technologie et de l'information, on va utiliser quelques tools pour la programmation. On appelle ça la programmation sur la machine Windows. Donc, Microsoft, elle va offrir un système de programmation sur la machine Windows ou les différents produits de Microsoft. Et on appelle ça le PowerShell. Donc, le PowerShell, c'est un tool qu'on le trouve partout sur les machines Windows, Windows 10, Windows Server, etc., et qui va nous permettre de programmer. Voilà, on appelle des scripts sur les machines. Et donc, maintenant, on va faire un genre de démonstration pratique des choses. Donc, ici, je vais commencer pas à pas pour l'exploitation de PowerShell. Voilà. Donc, pour aller sur PowerShell, vous êtes sur la machine comment? Windows 10, vous avez deux moyens. Donc, le premier moyen, c'est de chercher ici PowerShell. Vous avez ce PowerShell-là. Donc, on l'ouvre souvent en mode administrateur. Voilà, donc vous avez cette petite interface. Sinon, voilà. Mais là, c'est PS. PS, c'est-à-dire PowerShell. Mais là, sur cette terminal, je peux faire seulement des commandes. Hein. Seulement des commandes. Par exemple, il y a des commandes qu'on appelle les alias. Ce sont des commandes. C'est pas propre au PowerShell. C'est comme le CMD, l'invite de commande. Et en fait, le PowerShell, il est apparu en 2006. Il est très puissant par rapport au CMD. C'est-à-dire qu'on peut créer des fichiers, des scripts, donc automatisés. Je peux contrôler le Windows 10, le Windows Server, le Cloud, Azure ou autre, ou même les systèmes Linux. Et donc là, je vais utiliser le PowerShell, les steps de base. Et donc, par exemple, ici, je peux par exemple ici utiliser la commande dir. C'est comme, vous voyez, il va nous donner tous les fichiers. Bon, je suis, voilà. Le dir, c'est il va équivalent ls sur Linux. Il va lister tous les fichiers du système 32 parce que je suis dans le système 32. Mais je peux aller directement, par exemple, pour aller à un espace bien déterminé. Voilà, par exemple, je travaille sur download. Je prends ce chemin. Voilà. Je vais CD. CD, c'est aller. Voilà, c'est pas. Non, donc, je vais CD deux points. C'est aller à Windows.
La racine, voilà, je suis sur ces deux points. Voilà, sinon, je peux aller comme ça sur le bureau peut-être. Propriété. Voilà. Juste, je cherche le schéma. Donc, c'est des... Hop. Non. Je vais faire CD. Contrôle C pour annuler. Je dois chercher un path. Il faut voir le faut avoir le bon chemin. Peut-être on crée sur le bureau un dossier qui s'appelle Midotion. Vous voyez ici. Hop. Mais là, de préférence, je vais aller, vous voyez ici, sur Légion. Voilà, je cherche Download. Voilà. Hop. Donc, voilà le fichier de répertoire, c'est-à-dire. Et là, je vais faire CD. Voilà. Donc, je vais changer. Le schéma. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, je suis dans le download, dans le fichier de téléchargement. Je peux faire un dir. Voilà. Il va lister, vous voyez, il va lister tous les fichiers avec ce qu'il s'agit des ces directories. C'est un dossier. Les autres sont des fichiers. Voilà. Quoi d'autre? Mais de préférence, celui-ci, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu avancé. Pour les débutants, ce que je recommande d'utiliser le PowerShell mode graphique. Bon, c'est pas graphique, hein, c'est juste, il s'appelle ISE, avec une interface utilisateur. Voilà. C'est le même. Hein. Hop. Bon. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc ici, le but, c'est il va vous donner le même terminal qu'on a déjà vu, mais avec un champ pour écrire des scripts. On appelle un script, c'est quoi? C'est une collection de commandes qu'on peut les utiliser sur la machine à travers son syntaxe préféré. Et donc là, on doit le sauvegarder avec une extension. PS1, vous voyez, un fichier avec l'extension PS1, on peut le nommer, c'est un fichier PowerShell. Et donc là, soit j'exécute ici les commandes, par exemple, puisque nous sommes dans le domaine de la technologie d'information, généralement, j'ai besoin d'une adresse IP de la machine, vous voyez, IP config. Donc, il va me donner toutes les cartes réseau sur ma machine. Vous voyez, mais je peux l'écrire ici. Ipconfig. Vous voyez cette ligne et je vais faire un clear. Donc je vais effacer tout ça et je peux exécuter. C'est la même. Hein? Et je peux sauvegarder ce fichier-là. Voilà, c'est base sur le bureau Midotion. Je peux le nommer test. Voilà. Test. Hop. Voilà, si vous voulez vous chercher dans ici, il va vous donner des barres pour créer des fichiers, ouvrir, exécuter. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. Il y a des add-ons pour le débogage, il y a des tools. Voilà. Bon, ce tools-là, il va vous donner hein, comment changer les couleurs. Qu'est-ce que tu veux voir? Le timeout. Restaurer le default. Bon, tu peux paramétrer ce que vous voulez. La couleur de la console. Background. Vous voyez le background? C'est en bleu.
peux le changer. Il y a beau de changer tout ça. Le font size, etc. Voilà, donc c'est la première partie. Il y a aussi, je peux exécuter une sélection. Vous voyez ici, run, je peux exécuter tout ou une sélection bien déterminée. Je peux se connecter à une machine distante. Je vois le script. Et là, c'est très important ici. Chose command window. C'est pas là. Voilà. Vous voyez ici? C'est très important. Ici, il veut te donner un help. C'est un élément qui va vous aider dans l'exécution des commandes sur votre machine. Et donc là, vous pouvez avoir un help sur tous les modules. Par exemple, il y a plusieurs modules ici sur ce système. Il y a des modules sur Azure, il y a d'autres hein, sur VMware. Chercher Windows Update. On va voir les commandes de base. Bon. Par exemple, si je cherche, par exemple, sur cette machine, toutes les adresses IP, outre que cette commande. Donc, je fais network, c'est le réseau net. Voilà. Vous voyez? Et donc, le syntaxe ici sur les machines de type Windows ou le PowerShell, c'est toujours un verbe tiré un nom. Vous voyez ici, c'est toujours un verbe add, ajouter. C'est très simple. Hein. Lire, c'est effacer. Copy, c'est on va mettre une copie. Disable, enable, deploy, etc. Quoi d'autre? Find, get. Donc, je vais chercher net. IP address, oui. Et donc, j'ai cette commande. Voilà. Et je peux l'insérer. Ou je peux le copier. Il est inséré ici. Et je peux le copier ici. Et donc, je peux l'exécuter. Donc, ici, j'exécute seulement cette commande. Voilà. Il te donne toutes les adresses. Et voilà. Je peux faire ce qu'on appelle un pipe, c'est-à-dire j'ai toute une liste, hein. J'ai plusieurs cartes sur ma machine, peut-être des cartes physiques, des cartes virtuelles, etc. Je peux ajouter ce qu'on appelle un pipe pour le filtrage et je vais ajouter interface index. Interface. Index. C'est pas get net IP mappers. Equals. Je vais tester ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais utiliser where. Vous voyez,
Au début, qu'est-ce qu'on a? Au début, j'ai toute cette liste, c'est-à-dire, j'ai exécuté une commande qui s'appelle getNet IP address. Il va m'afficher, vous voyez, plusieurs cartes, hein, des dizaines de cartes. Mais pour moi, par exemple, j'ai besoin seulement de l'interface qui est numéro 9. Donc, je vais faire un filtrage. Le filtrage sur la sortie, le dollar, l'aérobase ici, c'est le résultat. C'est tout le résultat. C'est-à-dire tout le résultat de cette commande égale à 9. C'est-à-dire lorsqu'il est égal à 9, je vais l'afficher. Et comme ça, je mets cette sur la ligne 2 et j'exécute. Voilà. Vous voyez la sortie? Il va afficher deux interfaces déjà. Donc, cette interface, qui est l'interface comment? Quelle est la différence ici? Il faut bien vérifier quelle est la différence ici. C'est la différence, c'est que cette interface, elle a deux adresses réseau. Il a l'adresse IP privée et l'adresse comment? IPv6. Vous voyez, donc, on a déjà expliqué hein, dans un chapitre sur les réseaux qu'il y a le IPv4 et l'IPv6. L'IPv4, c'est un adressage sur 32 bits. L'IPv6, c'est un adressage comment? Sur combien de bits? Sur 128 bits. Voilà. Donc, on a commencé. Voilà. Je peux ajouter d'autres filtrages. Je peux définir d'autres choses. Mais juste, donnez-moi une seconde. Je vais utiliser. Voilà. Donc ici, on peut déclarer les variables. Par exemple, ici, pour déclarer une variable, j'utilise le dollar. Bon. Le dollar ici, donc par exemple, ici, j'ai une variable qui s'appelle étudiant. Vous voyez? Donc, j'ai fait cette affectation. Ici, c'est une affectation. De égal, il va faire une affectation. L'étudiant, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va la mettre contre code. Et je peux l'exécuter. Si j'exécute ici, dollar var directement, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner rien. Vous voyez? C'est vide. Mais si je fais cette affectation, voilà, et j'exécute de nouveau dollar var, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, dollar var, il a comme paramètre ou comme valeur, c'est étudiant. Et donc, ici, je peux ajouter ce qu'on appelle pourcentage. Le pourcentage, généralement, c'est pour les commentaires. Ici, c'est adressage. Et puis, de la machine. Je vais fermer ça pour avoir plus d'espace.
Et là, je mets adressage. Selon l'index de la machine. Et là, je vais ajouter affectation des variables. C'est-à-dire, j'ai fait une affectation et je vais lancer de nouveau. Il dit Je vais vérifier. Commentaire. Désolé. C'est en dièse. Ah. On va utiliser. Voilà le 10. Pas le pourcentage, c'est l'autre, c'est le MATLAB. Une confusion. Voilà. Vous voyez? C'est que ici, sur le PowerShell, pour déclarer ce qu'on appelle pour déclarer des commentaires, on ajoute le 10. Comme ça. Je vais lancer tout ça. Allez. Hop. Et je lance de nouveau. Hop. Et voilà, ça marche. Et si j'écris ici, dollar var, oui, ça égale étudiant. Ça marche. Et je peux, par exemple, ici, je peux. Alors, le script. Voilà, je vais afficher les deux comme ça. Je peux, par exemple, afficher le résultat, écrire écho le résultat. Le résultat. Ou le nom. Le nom. De l'étudiant et deux points, je mets de dollar var entre côtes. Et là, par exemple, l'étudiant va faire Salim, par exemple. J'exécute de nouveau. Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai fait une affectation de variables avec la valeur salée. C'est l'affectation. Et après, je vais faire un affichage de Selim sur l'écran. Vous voyez? Écho. Le nom de l'étudiant est Selim. Donc, je vais faire un clear pour que tout ça passe bien. Écho. Voilà. Si j'exécute tout,
parce que j'ai exécuté seulement ces deux passages. Vous voyez, on n'a pas le contenu de variable, puisque seulement cette partie, c'est la partie 3, c'est la ligne 3. Ici, c'est variable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affichage. Le dollar var, elle prend la valeur Salim et je vais afficher l'écran le contenu de la variable Salim. Voilà, donc le nom de l'étudiant est Salim. C'est clair ou non? Donc j'espère que c'est cette partie introductive, hein, c'est sur le syntaxe, comment déclarer les variables, comment afficher à l'écran. Par exemple, si j'ai besoin des attributs de ce dollar var, je peux faire quelque chose qui s'appelle getChildItem. On va exécuter tout ça. GetChildItem, c'est comme étant, on a fait un dir. C'est équivalent de dir listé dans le répertoire les fichiers qui existent. Mais je peux utiliser pour déterminer, ajouter liste des le contenu peut-être. Je peux par exemple déterminer le répertoire ici, le chemin, ce chemin-là, avec il y a deux commandes, il y a deux façons. Soit on met fait, je pense, c'est get location, location, voilà. Vous voyez, get location, elle va me donner le lien vers, c'est-à-dire le répertoire en cours. Donc notre répertoire en cours s'appelle C2.Windows System 32. Sinon, il y a une commande qu'on appelle alias, alias. Alias, c'est le même de CMD. Hein. Ce n'est pas une commande propre de PowerShell. C'est-à-dire, je peux créer un alias, c'est comme étant Sofiane égale telle commande ou une variable qui va prendre telle commande. Donc ici, c'est PWD, la commande, c'est un alias, il n'y a pas de verbe tiré, non. Non, c'est PWD, désolé. Et voilà. Donc ici, il y a deux méthodes pour déterminer les alias sur la machine Windows. Ou déterminer, désolé, donc on détermine le chemin de votre dossier d'exécution ou dossier de travail ou votre répertoire en cours avec getLocation ou PWD. Voilà, c'est ça. Mais je peux modifier, hein. Par exemple, si vous voulez modifier ce chemin, je peux faire. Quelle commande? 7. On appelle ça 7. 7, c'est juste pour modifier location. Vous voyez ici, le terminal va te donner ce help-là sur la commande. J'utilise celui-ci. Et je mets, par exemple, ça, tout court. Hein. C'est juste ce chemin. Juste un chemin de test. Hop. C'est-à-dire que je vais aller au chemin ces deux points Windows. Est-ce que il va modifier ça et... ou non? Et voilà, ça, c'est très simple. Hein? Il a bien modifié ce qu'on veut sur la topologie. Pardon. Je peux déclarer des matrices, par exemple avec dollar matrice, par exemple, égal
1,2, 1,3, 1,4. Voilà. Et si je teste matrice, voilà, c'est en mettant un vecteur hein, qui contient la valeur. Mais je peux, par exemple, appeler dollar matrice de 1. Et je vais tester. Vous voyez? Donc, on peut, c'est 2. Donc, je peux commencer par le 0 facilement. Voilà. Hop. Voilà. C'est-à-dire la valeur de matrice 0, c'est 1. De 1, c'est 2. De 2, c'est 3. Et de 3, c'est 4. C'est-à-dire, si je veux lire les valeurs de la matrice, hein. Et après, dans un boucle imbriqué, je peux mettre la valeur de 0 comme étant une variable qui s'appelle i, qui va parcourir 1, 2, 3, 4. Et comme ça, je fais de l'itération sur les fichiers. Toujours, donc, je peux sauvegarder. On va essayer. Je peux enregistrer parce que dbctest.im, PSS1, c'est étoile parce qu'on a sauvegardé ça sur la première ligne, c'est tout. Donc, je peux enregistrer. Voilà. Et comme ça, mon fichier, il est là. Je vais le garder sur ma machine. Je peux l'utiliser la prochaine fois. Une fois j'ai terminé ce cours, je peux l'exploiter ça facilement. Voilà. C'est juste une petite introduction sur le PowerShell. J'espère que vous avez au moins vu la théorie et un exercice pratique qui va vous aider à bien sûr entamer le monde du scripting, du programming, c'est de la programmation aussi. Avec le PowerShell ou autre outil, vous pouvez utiliser d'autres outils. Bon, c'est quelque chose de basique qu'on a déjà vu. On n'a pas fait des tasks. Peut-être dans la séance demain mercredi, on peut, ça dépend si vous avez, bien sûr, je vous invite à tester ce programme, à utiliser, à refaire ce programme par vous-même. Comme ça, le mercredi, on peut avancer un peu pour avoir d'autres commandes possibles pour s'exercer. Hein. Il faut exercer beaucoup. Pour bien savoir comment on peut la manipuler ce PowerShell. Voilà, c'est un local simple. Il ne nécessite pas ni d'installation ni rien. Voilà, dans le système Windows 10, il est là, Windows 11 aussi. Et donc, je commence à exploiter ces fonctionnalités sur sa machine, ou sur ma machine locale ou descente, bien sûr. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci beaucoup.